Seigneur et chrétien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans ce lieu où la Vierge Marie est apparue à Bernadette, laissons-nous rejoindre et illuminer par le Seigneur. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir cette lumière du Seigneur qui vient nous purifier. Et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps. Et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur.
toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans t'avoir vu. Alléluia, 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 alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce 2 mars 1858, il est 5h30 du matin, quand, appelée intérieurement, Bernadette se présente à la grotte. Tous ceux qui sont ici déjà rassemblés comprennent que la dame est là.
Ils ne la voient pas, ils ne l'entendent pas. Bernadette seule la voit, elle l'entend aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession. La première de toutes les processions, c'est dans le cœur même de Dieu, dans l'être même de Dieu, qu'elle est vécue de toute éternité. Car le Père aime le Fils. Et comme le dit l'évangéliste Saint Jean, il faut que le monde sache que le Fils aime le Père. Procession d'amour. Et le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Procession d'amour. Quand on fait une procession, on part d'un point précis et on se rend à un autre point. Ici à Lourdes, par exemple, on peut partir de la prairie pour la procession du Saint-Sacrement. On part de la grotte le soir pour la procession au flambeau. Ne se passe-t-il rien entre le point de départ et le point d'arrivée? En fait, on a accueilli la parole de Dieu, on a entendu un message de conversion, un message d'espérance. On a chanté, on a prié en toute langue, expérience d'église. Partir en procession, c'est un peu comme partir en pèlerinage. C'est prendre la décision d'aller ailleurs que chez soi. Sortir de soi. Par contre, il y a quelque chose qui nous échappe, qui appartient peut-être à la grâce du lieu, sinon au mystère. On revient autre. On revient changé, transformé, converti peut-être, touché certainement. Et comme c'est étrange, ici, en venant à la grotte de Massabielle, nous répondons à l'invitation que Marie a dressée à Bernadette. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Offrons donc à Marie la grâce de notre présence. » Notre présence nous fait éprouver un grand moment de joie ecclésiale, mais aussi un temps de gravité. Les intentions dont nous sommes porteurs, que nous entendons, que nous partageons, soulignent notre profonde communion avec tous les êtres qui souffrent. Pensons aux victimes innocentes qui subissent la violence, la guerre, le terrorisme, la famine, des injustices, des fléaux, des calamités, la haine, les oppressions, les atteintes à la dignité humaine, aux droits fondamentaux. Pensons à ceux qui souffrent parce que leur liberté d'agir et de penser est atteinte. Nous pensons aussi à ceux qui traversent des problèmes familiaux ou qui éprouvent une souffrance face au chômage, face à la maladie, à l'infirmité, à la solitude, aux situations d'immigration, sans oublier ceux qui souffrent pour le nom de Jésus et qui meurent pour lui. Aller en procession, ici, à Massabielle, c'est accepter de revenir autre. Comment notre vie ne peut-elle pas être transformée par ce lieu de communion, ce lieu d'espérance, ce lieu de conversion? Que nous marchions en portant Jésus-Christ réellement présent dans l'Eucharistie, que nous marchions dans la nuit en portant la lumière. Tout cela nous dit l'essentiel, que nous sommes devenus des Christs en recevant l'empreinte de l'Esprit-Saint au jour de notre baptême et que nous sommes la lumière du monde. Aller ici en procession à Massabielle, c'est entrer dans la procession divine du Père qui aime le Fils et de là, c'est découvrir la simplicité de notre vocation. Il suffit d'aimer. Amen.
En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Ceux qui lisent la prière universelle, il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Seigneur, regarde avec amour tous ceux qui se présentent à vous aujourd'hui en ce saint lieu et qui ont tant besoin de réconfort. Nous te prions. Père, écoute nos prières, entends nos voix. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Seigneur, augmente en nous la foi. Fais-la naître dans le cœur de ceux qui sont encore loin de toi. Nous te prions. Père, écoute nos prières. Entends nos voix monter vers toi. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Seigneur, soutiens tous ceux qui se trouvent dans un grand dilemme à cause de leur foi et tous ceux qui souffrent à cause de leur foi. Nous te prions. Père, écoute nos prières, entends nos voix. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Seigneur, que ton Église, nouvelle Israël, puisse annoncer efficacement la bonne nouvelle du salut au monde d'aujourd'hui. Nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton Église qui espère en ta miséricorde, que ta puissance la soutienne en cette vie et la conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Donne-moi, donne-moi, donne-moi.
tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté. Ta grâce, elle seule me suffit, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi, donne-moi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc, son frère Laurent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, dont Sainte Bernadette, qui ont vécu dans la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Thank you.
Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. De ses rencontres par les villes et les cités, il révèle son amour et nous parle de son père, et chacun retrouve espoir en l'écoutant. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. Seigneur nous a aimés comme
les aimer. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. A aimé comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. Comme on n'a jamais aimé, il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour.
Prions le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avec toi, Marie, nous voulons servir, marcher dans les pas du serviteur, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir. Avec toi, Marie, nous voulons servir, marcher dans les pas du serviteur. Et mes sens, c'est de
est ressuscité. Silencieuse avec Marie. Vers Jésus.